construire un solide système d'appui. Voici quelques étapes et conseils pour vous aider à y parvenir. 1. Rejoindre des groupes de parents célibataires. Recherchez des groupes de soutien locaux pour parents célibataires. Ces groupes peuvent se rencontrer en personne ou en ligne et offrent un espace pour partager des expériences, obtenir des conseils et nouer des amitiés. Des plateformes comme Meetup, ou des forums spécifiques à la parentalité peuvent être un bon point de départ. 2. Participer à des activités communautaires. Inscrivez-vous à des activités locales comme des clubs de lecture, des cours de fitness ou des ateliers pour parents. Cela peut vous permettre de rencontrer d'autres parents dans un cadre détendu et convivial. 3. Utilisez les réseaux sociaux. Les groupes Facebook ou les communautés en ligne dédiées aux parents célibataires sont d'excellents moyens de se connecter avec des personnes dans des situations similaires. Ils offrent également des ressources et des discussions sur divers sujets liés à la parentalité. 4. S'appuyer sur la famille et les amis. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille et à vos amis proches. Ils peuvent vous apporter un soutien émotionnel, des conseils ou même une aide pratique comme garder les enfants. 5. Consultez des professionnels. Les conseillers, les thérapeutes et les travailleurs sociaux peuvent fournir un soutien émotionnel et des conseils pratiques. Ils peuvent également vous orienter vers d'autres ressources communautaires. 6. Explorez les ressources locales. De nombreuses villes offrent des services gratuits ou à faible coût pour les parents célibataires, comme des groupes de soutien, des services de garde d'enfants et des ateliers de formation parentale. Vérifier auprès des centres communautaires, des églises ou des associations locales. 7. Participer à des activités scolaires. Impliquez-vous dans les activités scolaires de vos enfants. C'est un excellent moyen de rencontrer d'autres parents et de développer un réseau de soutien autour de l'école. 8. Applications et sites web. Des applications comme Peanut, qui est dédiée à la connexion entre parents, peuvent être utiles pour rencontrer d'autres parents près de chez vous. En suivant ces étapes, vous pouvez développer un réseau de soutien solide et fiable qui vous aidera à naviguer dans les défis de la parentalité en solo. Les connexions que vous établirez pourront non seulement vous offrir du soutien, mais aussi enrichir votre expérience en tant que parent.